Bonjour mes petites lumières, on se retrouve à nouveau pour une vidéo pour la guidance du mois de mars pour les balances qui sont des signes d'air. Ils sont connus pour être communicatifs, curieux, intellectuellement et cérébraux comme les gémeaux et comme les verseaux. Il faut que je vous montre quelque chose. Il est tellement détendu. C'est trop mignon. Donc pour... De toute façon, on allait voir sa tête, donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va le faire tout de suite. Donc j'ai utilisé pour cette guidance l'oracle des sirènes et des dauphins et l'oracle des fées. Donc pour les balances, qu'est-ce que nous avons comme pioché comme carte? Eh bien, vous êtes relativement chanceux et chanceuse, car nous avons quand même une très belle carte et on nous indique que vous pouvez faire un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Alors, à cet instant même, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, exprimer un souhait qui vous tient à cœur et y penser fortement comme s'il était déjà réalisé. Alors évidemment, on remercie le ciel, on nous dit remerciez le ciel et ressentez dans votre cœur et votre ventre que votre rêve s'est effectivement réalisé. Vous pourriez dire par exemple, je remercie le ciel pour, etc. etc. Vous décrivez votre désir, votre souhait, votre vœu et vous dites tout simplement, je suis très reconnaissante pour tout le soutien que vous m'offrez. Vous vivez un moment magique à cet instant. Donc, on vous invite à prendre, de vous retirer dans un endroit tranquille, prendre un instant pour vous, de faire un petit peu une toute petite retraite, juste le temps de faire ce vœu. On peut fermer les yeux et imaginer son rêve déjà réalisé. Et ressentez-le aussi tout au fond de votre âme et de votre corps. Exprimez ensuite de la gratitude pour ce qui vient de se passer et laissez aller ce vœu comme un ballon soufflé qu'on a soufflé à l'hélium pour qu'il se rende jusqu'au ciel. S'il vous faut poser des gestes pour que votre vœu se réalise, vous recevrez des conseils clairs et répétitifs sous forme de sentiments, de pensées, d'idées, de signes, de mots, peut-être d'images qui peuvent venir à vous. Il est important de suivre ces conseils afin que votre vœu puisse se manifester dans le monde physique. Donc, je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent pour vous les balances. Félix est toujours parmi nous, serein, tranquille. Et donc, nous avons donc une deuxième carte avec l'oracle des fées. Et là, on nous invite... pour cette période du mois de mars qui annonce tout de même le printemps, le renouveau après cette période hivernale, eh bien on vous invite à faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors évidemment, exercer une activité renforce notre mental, tout un tas de choses qu'on tire en bénéfice en faisant de l'exercice ou une activité physique. Et c'est très très important d'ailleurs au quotidien, même si ce n'est qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'est important de s'entretenir. En tout cas, on y gagne en santé, en bonheur, etc., en bien-être. Et on évacue beaucoup de stress d'ailleurs aussi en faisant une activité, que ce soit la natation, la marche, du vélo. Il y a tout un tas de choses actuellement qu'on peut faire, de la gym, de la zumba, tout ça. Eh bien, ça peut calmer quand même un petit peu le mental et c'est quand même important aussi de le souligner. Et quand on a peut-être des soucis sur le plan professionnel, financier, relationnel, c'est quelque chose où on peut vraiment tirer un bénéfice. Bien, on vous dit que votre corps a fort besoin d'une stimulation cardiovasculaire ou musculaire. Alors, on vous invite, les fées, puisqu'on est avec l'oracle des fées, les fées vous invitent à leur demander leur soutien.
elles vous enverront de la motivation, de trouver le temps adéquat également pour faire un exercice. Voilà. En tout cas, prenez le temps de pratiquer une activité physique aujourd'hui et non pas demain. En tout cas, pour le mois de mars, programmez cela. On peut peut-être par exemple prendre des cours pour danser. Il y a peut-être une danse qui peut nous attirer, puis on n'a jamais osé peut-être se lancer. Eh bien, c'est le mois de mars, c'est vraiment le temps idéal pour ceci. On peut faire de l'exercice dehors, dans la nature, se promener, prendre l'air frais, déjà prendre les premiers rayons de soleil qui peuvent arriver. On peut faire du yoga, tout un tas d'exercices oriental, le tai chi, etc. En tout cas, on peut aussi faire de l'exercice avec des amis, des enfants, ou ses enfants, ou des proches, etc. Ça peut aussi renforcer un peu la motivation. En tout cas, on vous invite à faire une activité sportive. On peut aussi rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, etc. Un corps sain dans un esprit sain. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, mes chères balances, pour ce mois de mars. Et d'ailleurs, je salue mon amie Nadia, qui se reconnaîtra dans cette guidance. Je t'embrasse fort, je t'aime ma chérie. Un petit clin d'œil pour toi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Eh bien, écoutez, je vous souhaite un agréable mois de mars. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Félix et moi, on vous laisse et on vous dit à très bientôt. Bye bye.